Vous le savez, comme dans toutes les industries artistiques, le monde de la musique est rempli de gens avec des égos surdimensionnés. Des personnalités qui marquent toute une époque par leur vision de la musique qui fait évoluer tout un pan de cet art qu'on aime tant. Mais si je vous disais qu'il existait une personne dans ce milieu qui a su être l'une des personnes avec une des histoires les plus folles de toute l'industrie musicale. C'est un homme qui est passé de l'image d'un des plus grands génies de la production musicale à celle d'une personne violente, sanguinaire et dangereuse. Eh bien, cette personne, je vais vous raconter son histoire. Je vais donc vous raconter l'histoire de Phil Spector, l'homme que la musique a rendu fou. Pour mieux comprendre qui était Phil Spector et comment il est devenu ce qu'il est, nous devons dans un premier temps plonger dans sa jeunesse. Notre histoire commence dans les années 40. Phil Spector, de son vrai nom Harvey Philip Spector, vient d'une famille de classe moyenne qui semble à première vue assez classique pour l'époque. Sa mère, Bertha, est femme au foyer, tandis que son père, Benjamin, est un ouvrier ferronnier. Sauf que, dès son plus jeune âge, Phil va subir un traumatisme qui va le poursuivre tout au long de sa vie. Son père se suicide alors qu'il n'a que 9 ans. Le tout sans donner de signes avant-coureurs ou d'explications sur son geste qui est irréparable. Dès lors, sa vie en tant qu'enfant va profondément changer, puisque désormais sans père. Sa mère va devoir se mettre à travailler pour subvenir aux besoins de la famille. Elle devient couturière, ce qui permet à Phil de faire des études moyennes. Pas mauvaises, pas incroyables, juste moyen quoi. Mais il a quelque chose qui le fait sortir un peu de la moyenne, c'est son talent pour la musique. Parce que malgré toute l'horreur de sa jeunesse, la musique, c'est quand même quelque chose qui l'a toujours accompagné dans sa vie. Il savait très bien jouer de la guitare et de l'accordéon. Nous sommes alors en 1958, et Phil Spector, avec 4 autres musiciens, crée le groupe The Teddy Bears, avec un premier titre, To Know Him Is To Love Him, extrait. Ce titre a eu un succès phénoménal dès le début, puisqu'il est numéro 1 du Billboard 100 et le morceau se vend à 1,5 million d'exemplaires. Pour une toute première chanson, c'est une sacrée performance. Et c'est là que commence vraiment la carrière de Phil Spector. Le succès du groupe est aussi fulgurant que sa durée de vie, car le groupe se sépare un an après sa création, en 1959, à cause d'une escroquerie de son label qui lui a fait perdre près de 17 000 $ sur les 20 000 qu'il aurait dû toucher uniquement pour le tube des Teddy Bears. Mais en réalité, ça n'est pas forcément un problème. Phil sait exactement ce qu'il va faire. Il ne sera plus sur le devant des projecteurs. Il veut devenir un homme de l'ombre. Il devient alors producteur. Je voulais être en retrait, mais je voulais être important en retrait. Je voulais être le point focal. Je connaissais Toscanini. Je savais que Mozart était plus important que ses opéras. Que Beethoven était plus important que celui qui jouait ou dirigeait sa musique. C'est ce que je voulais être. Et il ne le sait pas encore, mais c'est là que sa carrière va véritablement exploser. Lors de la courte vie du groupe Teddy Bears, Phil Spector rencontre Lester Seal, un autre producteur avec qui une affinité artistique se crée très rapidement. Notre duo décide alors de mettre en place leur propre maison de disques en 1961, Phil's Records. L'année suivante, Phil rachète toutes les parts de l'entreprise et devient, à seulement 21 ans, je le rappelle, le plus jeune directeur de label de tous les États-Unis. Il produira pas mal de femmes afro-américaines comme The Crystals ou Darlene Love. Et à chaque fois, il s'agit d'un succès commercial fulgurant. Les gens se moquaient de moi, le petit garçon qui faisait des disques de rock'n'roll, mais je savais. J'essayais de dire à tous les groupes que nous faisons quelque chose de très important. Fais-moi confiance. Et c'était très dur, parce que ces gens n'avaient pas ce sens du destin. Ils ne savaient pas qu'ils produisaient de l'art qui allait changer le monde. Je savais. Et en plus, le fait qu'ils produisaient des femmes afro-américaines lui donne une aura particulière dans toute l'industrie musicale. Une image d'homme progressiste et ouvert sur toutes les personnalités et cultures musicales. En 1963, il produira un titre d'un petit groupe qui est alors seulement en train d'émerger, les Rolling Stones. Mais il va surtout produire le groupe The Ronettes. Et cette collaboration entre Phil et ce groupe de femmes est déterminante pour la suite de notre histoire.
il tombe rapidement amoureux d'une des chanteuses de cette formation, Ronnie Bennett. Ils finissent par sortir ensemble et se marient en 1968. Ce mariage a un impact très fort sur la carrière de Ronnie, puisqu'elle change même son nom de scène à cette occasion. Elle se renomme Ronnie Spector afin de profiter de l'aura qui plane autour de son nouveau mari. Le couple décide d'adopter 3 enfants. Ils forment alors une famille modèle, comme on pouvait l'imaginer durant la fin des années 60. Sauf que ce foyer, qui semble normal sous tout rapport, cache une réalité qui est bien plus sombre. Ronnie déclare que son mari l'a profondément détruite psychologiquement. Il l'avait contraint à rester enfermé dans leur maison en mettant des barbelés et des chiens de garde et en lui prenant ses chaussures pour que Ronnie ne puisse pas sortir sans sa permission. Et les rares fois où Phil autorisait sa femme à sortir, elle devait impérativement prendre la voiture avec un mannequin à taille réelle qui représentait son mari. Pour ne rien arranger à cette situation absolument catastrophique, Phil a même installé un cercueil en or dans la cave de leur maison, lui promettant que si elle décide de le quitter, il la tuerait et la mettrait dans ce cercueil. En 1972, Ronnie va malgré tout réussir à quand même s'échapper de cet enfer en fuyant sa maison avec l'aide de sa mère et divorce l'année d'après, en 1973. Elle explique la situation dans ses mémoires. Je savais que si je ne partais pas, j'allais y mourir. D'ailleurs, je vais faire une courte pause dans la narration pour simplement vous dire que si vous ou un de vos proches avez subi des violences conjugales, je vous mets ici un numéro d'aide et des informations dans la description. Enfin, reprenons. Je vous disais que cette histoire était déterminante. C'est pour que vous vous rendiez compte d'à quel point Phil Spector, qui peut sembler être un producteur de génie, a une part bien plus sombre lorsqu'il s'agit de sa vie privée. Mais ce comportement absolument affreux ne bloque en rien l'ascension du producteur dans l'industrie musicale. Au début des années 70, Phil Spector commence à travailler avec un petit groupe qui ne fera pas grand bruit dans le monde de la pop britannique, les Beatles. Et surtout, Phil Spector va produire un album et un morceau que vous connaissez peut-être. Non, c'est sûr que vous le connaissez en fait. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. Et oui, Phil Spector est l'un des hommes de l'ombre derrière la confection du morceau et l'album Let It Be. Et la collaboration avec les membres du groupe ne s'arrête clairement pas là, puisqu'en 71, il produit un petit morceau de John Lennon, Imagine. En fait, toutes ces collaborations sont symptomatiques de quelque chose d'essentiel que Spector avait compris. C'est que la musique faite pour les adolescents était quelque chose qui devait être pris au sérieux par l'industrie musicale à cette époque. Ce qu'il a été le seul à faire. Et même dans la sphère professionnelle, sa personnalité va là aussi prendre le dessus. Spector, alors qu'il travaille à la production de Rock'n'Roll, le 6e album de John Lennon, crée une ambiance absolument catastrophique au studio. Il menace carrément tout l'entourage de John Lennon avec un flingue, tout simplement parce qu'il les considère comme beaucoup trop envahissants. Phil va même prendre avec lui toutes les bobines d'enregistrement. Heureusement, John Lennon réussira à récupérer ses bobines et il n'arrivera jamais rien à son entourage, fort heureusement. John Lennon finira son album sans son producteur, mais tiendra quand même à dire que Phil Spector est l'un des, je cite, « plus grands producteurs de disques de tous les temps ». Il garde donc, malgré ses agissements, une très bonne image auprès des artistes, puisqu'il a, et il faut lui concéder, eu un impact très important sur tout un pan de la pop des années 60 et 70. Mais un événement va le faire totalement basculer dans la folie. En 1974, il conduit sa voiture comme il le fait quotidiennement, et il est alors percuté lors d'un terrible accident de voiture. Les conséquences sont alors monstrueuse. Son crâne doit recevoir près de 700 points de suture, dont 300 rien qu'au visage. Son crâne est tellement endommagé qu'il est obligé de porter des perruques au style qui en disent long sur l'état de sa santé mentale de l'époque. Ses problèmes physiques aggravent également sa psyché, puisque ses troubles bipolaires ne font que s'accroître avec le temps. Il plonge alors dans l'alcoolisme, et sa carrière, avec cet incident, prend une toute autre tournure. À partir de 1975, il rentre dans une véritable escalade à la violence. En retravaillant avec John Lennon, il va tirer sur un membre de l'équipe technique, il menace à l'arbalète Leonard Cohen lors d'une séance d'enregistrement, et il menace également le bassiste et compositeur des Ramones, Dee Ramones. Et dans les années 80, Phil se retire de plus en plus de la vie publique, et se renferme sur lui-même pendant plus de 15 ans. Une période durant laquelle Spector se remarie, a de nouveaux enfants, et essaye de se relever dans sa vie personnelle. Sa vie va de nouveau se compliquer lorsqu'un de ses fils meurt de la leucémie, le replongeant dans ses très mauvais travers que sont l'alcool et les médicaments. On le reverra sur la scène musicale en 1995 quand il produit Falling Into You, le 16e album studio de Céline Dion. Il se fera de nouveau de plus en plus rare jusqu'en 2003 où il va commettre l'irréparable. Nous sommes la nuit du 2 février 2003 au House of Blues à Hollywood, une boîte de nuit
très très sélecte où se trouve Phil. Il est alors sévèrement alcoolisé et commence à discuter avec une hôtesse et actrice, Lana Clarkson. Ce n'est pas une actrice très reconnue de la profession, d'où le fait qu'elle fait cette deuxième activité à côté. Il est alors 2h du matin et Phil décide de ramener Lana dans son manoir, où il vit désormais seul. Lana et Phil continuent alors la soirée chez lui et vers 5h du matin, le chauffeur attitré de Spector entend un coup de feu qui provient du hall. Et Phil sort alors du manoir avec un revolver recouvert de sang et va voir son chauffeur en disant « Je crois que je viens de tuer quelqu'un ». La police arrive rapidement sur les lieux du drame et les policiers tombent nez à nez sur Lana Clarkson avec une balle de 9 mm dans sa bouche, avec caché sous son genou le revolver qui a servi au meurtre. Phil Spector est alors emmené par les forces de l'ordre en garde à vue. Ce dernier change alors complètement de discours, disant qu'elle s'était suicidée devant lui. Mais les policiers connaissent le passif plus que dangereux du producteur, ce qui fait qu'ils ont instantanément des doutes sur ce témoignage qui est complètement en opposition avec ce qu'il disait au chauffeur au moment du meurtre. C'est d'ailleurs vraisemblablement dû à ses troubles psychologiques. 4 ans plus tard, en avril 2007, aura lieu un premier procès. Le jury n'est alors pas unanime sur la culpabilité de Phil Spector. Le meurtrier ressort donc libre avec seulement une caution à payer. La justice américaine. Bref. Un an plus tard, le 29 octobre 2008, un deuxième procès a lieu. Et cette fois-ci, il est jugé coupable pour homicide involontaire et possession illégale d'une dizaine d'armes à feu avec une peine totale de 19 ans de prison. Il est mis en détention provisoire jusqu'en mai 2009. Il tente de faire appel par deux fois, mais la décision est ferme et définitive. Phil Spector est fermement condamné sans possibilité de libération anticipée. Et si vous voulez savoir ce qu'est devenu cet homme, il est mort le 16 janvier 2021 dans sa prison de Stockton, en Californie, à l'âge de 81 ans. We wanted to work with Phil because of, I mean, the guy is a legend, and we thought it'd be a very good idea to work with a legend. Plus, we didn't really know how difficult it is to work with the guy before we stepped into it. We found out. Si vous aimez les faits divers autour de la musique, je vous conseille cette vidéo dans laquelle je vous raconte l'histoire d'un homme qui a voulu détruire tout un pan de la musique. Rien que ça. D'ailleurs, si l'histoire de Phil Spector vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo. C'est le meilleur moyen de me soutenir. Il y a encore pas mal de choses à dire sur le côté musicien de Phil Spector, mais dans cette vidéo, j'ai voulu seulement me tourner sur sa vie et sa personnalité, et pas de choses comme il a pu inventer, comme le mur du son. Mais si vous voulez aller plus loin, il y a toutes mes sources dans la description. Sur ce, prenez soin de vous, écoutez beaucoup de musique. Ciao. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life, you were only waiting for this moment to arrive. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see.